Marina Rousseau-Tsankaris, secrétaire générale de la recherche du Centre Léon Bérard, et je suis docteur en sciences. Dans la création de Synergie Lyon Cancer, j'ai eu un rôle de coordination. Ce projet, comme vous le savez, est porté par des scientifiques. L'appel d'offres, c'est un appel d'offres scientifiques sur une thématique d'excellence des recherches en cancérologie. Et les trois chercheurs qui portent ce projet, c'est le professeur Gilles Salles, le professeur Alain Pizieux et le docteur Patrick Mélène. Cet appel d'offres, en fait, venait à un moment donné où on souhaitait plutôt donner de la flexibilité à la recherche. La thématique de cette fondation, c'est de développer la médecine personnalisée, des traitements qui correspondent finalement à un type de cancer et un type de personne. Dans les réseaux de synergie, il y a des expertises et des groupes de chercheurs et de cliniciens qui sont aujourd'hui des renommées internationales dans leur domaine de compétences, et notamment donc tout ce qui est de développement clinique, où on a aujourd'hui une place incontestable au niveau de Lyon. Et quelque chose qui me paraît important quand même, c'est que cette fondation Synergie, c'est une fondation donc bien lyonnaise. Les fondateurs de cette fondation, ce sont les Hospices Civils de Lyon, les Centres Léon Bérard, l'université et l'INSERM, les partenaires qui sont auprès du patient. L'INSERM, donc, c'est notre institut pour les recherches médicales, hein, et l'université, bien sûr, qui forme les cliniciens et les chercheurs, et ensuite, donc, les deux établissements hospitaliers qui prennent en charge le patient dans sa globalité. L'objectif, finalement, d'une fondation, en fait, par rapport à une dotation initiale, c'est de jouer un rôle à long terme, hein, et être finalement à la disposition des chercheurs et leur apporter les moyens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, ces réseaux de recherche? Ils ont besoin des outils performants, structurés, qui vont pouvoir les utiliser pour les besoins de la recherche et de leurs projets de recherche. Avant, ces outils, il fallait aller les chercher ailleurs. Nous n'avions pas sur Lyon et aujourd'hui, ils sont à leur portée et ils l'utilisent au quotidien.